Catherine Abal fait Tony Mgji son parent pour la première fois. L'actrice et son époux ont accueilli un petit garçon, dont le nom et la date de naissance n'ont pas encore été révélés. C'est la comédienne de 41 ans, connue pour son rôle de Claire Fraser dans la série Outlander, qui a annoncé la nouvelle sur Instagram ce 18 août 2021. Surprenant ainsi ses fans, dans un long post, dans lequel elle dit toute sa gratitude et sa joie. Elle a partagé une photo en noir et blanc du nouveau-né, tenant son doigt. Sur le réseau social, l'Irlandaise, qui est suivie par plus d'un million de personnes, a expliqué, « Je me suis déconnectée pendant un moment car je m'occupais de ce petit être. Nous sommes si reconnaissants qu'il nous ait choisis comme parents. Il m'émerveille déjà et je ne peux m'empêcher de le regarder et de me demander quel genre d'individu il deviendra. Où il ira et ce qu'il fera dans cette grande aventure qu'est la vie. » Actrice engagée, Catherine Abal fait la marraine de l'association World Child Cancer. Très émue par les récents bouleversements qui ont eu lieu en Afghanistan et à Haïti. Elle a eu une pensée pour les enfants en difficulté. « J'ai tellement de chance que mon fils soit né dans un endroit où règne la paix et la sécurité. Et pourtant, je vois tant de personnes qui n'ont pas les mêmes privilèges et opportunités. Des enfants sont nés dans la famine et la guerre. Que c'est injuste !» Catherine Abal et Tony Mgji se sont mariés en 2018 lors d'une cérémonie intime en l'église Sainte-Maria à Bruton, en Angleterre. Très discrète sur sa vie privée. Celle qui a commencé dans le mannequinat à la fin des années 90, est en couple avec l'homme d'affaires, propriétaire de plusieurs bars à Londres, depuis 2015. Pour ce qui est de la sixième saison de la série Outlander, les fans ont rendez-vous sur Netflix en 2022.